Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait super plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi tout plaquer pour partir voyager. Alors t'en peux plus de ta routine, t'es exaspéré, t'es fatigué, t'es lessivé, ton travail t'intéresse pas et t'as envie de tout partir à l'étranger. C'est normal, rassure-toi, on était dans la même configuration en 2012. Allez, c'est parti pour la vidéo. Crédit, routine, bien immobilier, matériel. Tu es à la base pas matérialiste, mais t'es tombé dans un engrenage qui te permet à peine de finir tes fins de mois. Tu gagnes 1500 euros comme un Français moyen, j'ai envie de te dire. Et finalement, à la fin du mois, qu'est-ce qui te reste? 0 euros. Tout ça pourquoi? Pour des biens matériels, des gadgets, des trucs électroniques. Et le plus important, les souvenirs, il n'y a rien. Et tu te rends compte que les années passent et que c'est maintenant et pas après. Donc c'est pour ça qu'il faut partir voyager. Vous êtes très nombreux à avoir des bacs plus 5, des bacs plus 3, des diplômes qui vous servent à rien. Par exemple, il y a énormément de gens qui se retrouvent malheureusement à McDonald's ou travailler dans des boulangeries ou des travails finalement qui sont pas intéressants alors que t'as pas mérité ça. À la base, t'as un bac plus 3, un bac plus 5 qui te permet de travailler dans ton domaine. Malheureusement, c'est bouché en France où t'arrives pas à trouver du travail. Rassure-toi, c'est peut-être normal, il est temps de peut-être partir à l'étranger. Les opportunités, on va en venir. Lorsque tu pars voyager, lorsque tu pars en cadre visa, vacances, travail, Australie, Nouvelle-Zélande, tu vas te créer plein d'opportunités. Par exemple, mon expérience à moi, à la base, j'étais ingénieur informatique et j'ai développé du Java. Mais en fait, ça m'intéressait pas du tout. Et tu sais quoi? J'ai monté mon blog totalement par hasard devant l'Opéra Sydney. C'est comme ça que j'ai créé ma chaîne et mon travail et mon job à plein temps. Et oui, c'est mon boulot. Quand tu prends du recul, tu vas toucher à tout lors de tes voyages, de tes expériences à l'étranger et tu vas peut-être te découvrir, te dire, mais finalement, j'étais plutôt fait pour travailler dans un bureau ou inversement, je suis quelqu'un qui n'aime pas les bureaux alors que j'ai un bac plus 5 dans mon cas à moi, je déteste être dans un bureau et avoir un patron. C'est pour ça que vous allez avoir des nouvelles idées et avec du recul vous allez vous dire mais finalement j'étais peut-être fait pour être bûcheron, si tu vois ce que je veux dire. Alors dans mon expérience à moi, je suis parti donc en début 2011, mon premier voyage en Australie, exactement le 12 janvier 2012. À la base, j'avais aucun projet, je voulais juste voir autre chose. À presque 27 ans, il était temps de prendre mon sac à dos et partir découvrir la vérité. Et c'est comme ça que je me suis découvert cette passion de vidéo totalement par hasard, ce 11 février 2012. Et si toi, tu pars voyager, tu vas sûrement te découvrir des passions et tu vas surtout apprendre à mieux te connaître car lorsque tu as le nez dans le guidon, malheureusement, t'es formaté à un système qui ne te permet pas vraiment de prendre du recul dans ta vie. Ouais mais Damien, si je plaque tout pour voyager et que je vais revenir en France, je vais craquer, je vais péter un câble. Ah, je te vois venir. Alors oui, les retours de voyage sont toujours très compliqués. C'est pour ça que l'objectif dans les voyages, c'est d'être constructif et de chercher certaines réponses à tes questions que tu n'avais pas à la base quand tu étais parti pour la première fois. Donc sois constructif, fais-toi une liste de dire qu'est-ce que j'aime pas et qu'est-ce que j'aimerais faire et mets toutes les chances de ton côté. Il y a énormément de jobs, activités de digital nomade, c'est une activité qui est de plus en plus répandue. Par exemple, si tu es blogueur, tu es passionné, tu veux travailler en ligne, faire du web marketing, création de site internet, il y a des centaines de métiers en ligne, renseigne-toi. Et franchement, aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu peux travailler n'importe où, à n'importe quelle heure. Il suffit juste d'une connexion Internet, du courant et bien sûr d'une machine de guerre, un Mac ou un ordinateur. Bon, j'espère que je vous ai rassuré. Vous êtes plusieurs milliers de personnes à partir chaque année dans un objectif de visa vacances travail, dans une expérience à l'étranger, faire du travail de volontariat. Et franchement, c'est une super chose. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous réveiller et de vous dire, mais faites-le maintenant. Le drame peut arriver à n'importe quel moment. Franchement, fais-le maintenant. Profitez-en, t'es jeune, t'as tes jambes, t'as tes bras, t'as toute ta tête. Ça, c'est le plus important. Une fois que tant que le mental et le physique suivent, il n'y a plus qu'à partir. Tout est une question d'argent. L'argent, tu peux toujours en faire. Mais par contre, si t'es malade, où il te manque des jambes, t'as beau être riche, tu pourras pas partir voyager. Et vous derrière cette caméra, ça vous est déjà rêvé de tout plaquer pour partir à l'étranger? J'en suis sûr qu'il y a pas mal d'abonnés sur YouTube qui ont dit j'en ai ras-le-bol de ma vie et qui vont sûrement partir prochainement ou qui sont partis dans des destinations autour du monde car les gens qui suivent ma chaîne YouTube l'Océanie pour les zéros, bien sûr c'est des gens qui sont intéressés sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie ou les destinations d'Océanie, mais il y a aussi beaucoup de voyageurs qui s'intéressent ou qui s'intéressaient à mon projet et qui sont maintenant installés un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à réagir. Allez, salut les amis et à bientôt.